dans toute studio plateforme là. Li déjà marqué midi, c'est l'heure nous pour informer et tous les amis auditeurs nous yo sur toute nouvelle qui déjà fait actualité ya. Pendant première partie journée, nous quoi pour informer aux amis, aux serviteurs, merci Dieu. Toute équipe là nous déjà motivé et mobilisé pour nous porter pour la caillou, quel que soit côté ou connecté plateforme là. Journal Gazette Créole qui passait sur Radio Vision 2000. Mais bien avant, nous connecter avec cette nouvelle là, permettez-moi de féliciter tous les amis qui ont célébré l'anniversaire de naissance. Tout le monde qui fête le 24 d'août, toute équipe là, nous mettons voix nous ensemble pour nous souhaiter une bonne fête, bon anniversaire, bon récord café. Il est midi. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre bordel, laguez ou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 25 août 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans Vendredi Souti, journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, pour nous développer le journal, la population n'a pas fait toujours à victime en bas. Mais bandit, gang, grand ravine, mené à hier après-midi, il y a une autre attaque qui la cause habitants au courrier qui était caillou. Situation pas de bon du tout. Hier soir, dans plusieurs autres quartiers dans la capitale, là, tant qu'au tabac d'Elma, à Claplaine, t'es grand pile coup de balle automatique qui t'a chanté, qui était la cause en pile. Habitants courir quitter zone non. Alors ce que le gouvernement haïtien a comme accord diplomatique là tapton une force intervention multinationale pour démanteler gang Examio Kenya qui gagne délégation qui quittait Port-au-Prince mercredi passé a proposé seulement pour protéger infrastructure étatique Cléo tant qu'au aéroport port maritime à route principale d'après sa Miami Herald révélé Kenya a souhaité un autre bord et joindre un groupe participation pays dans région à force multinationale ça et puis immunité totale pour troupes Léo, même si force la pata sorti dans l'ONU, d'après sa vision 2000, après un diverses voix continuent à pleuver pour réclamer libération Pierre-Louis Aupont, qui séquestré depuis plus passé deux mois en bas individu qui était kidnappé le 20 juin passé à tout près la Kalina Taba, ancien directeur opération électorale là, Lunaire Jean-Marie, avec politologue Eslom Raymond, dit au Gengo qu'est sauté devant comportement autorité en place qui pas jamais dit en rien. Responsable d'une organisation Debout Patriote là, Eslom Raymond lancé un appel pressé bon côté acteur dans l'idée pour joindre un compromis pour sauver pays politologue l'a mandé l'autre acteur pour faire preuve d'intelligence et accélérer les tout un complot avec le ministre Ariel Henry contre communauté internationale là qui bon pour peuple haïtien pour ceux qui opposent l'administration Biden à qui ont vingtaine états républicains qui t'a proclamé et pour mettre bout à programme libération conditionnelle humanitaire a commencé officiellement hier jeudi et ces juges Joubi Tipon ancien président Donald Trump a été nommé et en pile monde connaît sous position toujours qu'on a pris content immigrant qui pourrait décider si oui ou non programme ça a continué. Plus passé 200 000 migrants parmi 7 926 haïtiens déjà entrés dans le pays États-Unis jusqu'à 22 août passé dans le cadre programme parole là d'après la presse américaine qui fait connaître tout. Il y a plus passé 72 000 haïtiens qui approuvaient et dans le programme ça depuis janvier arrivé journée jeudi. Arrêtez de championner pour le développement pour ça. Présent au journal ça Benjo Pierre a fait manœuvre technique et économique quoi Cyril Kerr civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement. Premier partie journal là. Bien, gagnant et habitant dans Kafoufeuille qui toujours a subi attaque en bas gang. Grand ravine côté bandit, mené à hier après-midi. Une autre attaque qui poussait habitant Sayo et continue à courir qui était caillou. Situation pas de bon du tout. Hier soir, dans plusieurs autres et quartiers dans la région métropolitaine, dans Port-au-Prince, dans Tabac, Delma, à la plaine, côté, t'es gampil coup de zame automatique qui tape
chanté en bien qui était provoqué et un pile qui est sauté la caille habitant dans zone Sayo. Alors que le gouvernement haïtien a obtenu une force intervention multinationale pour craser gang Axamio, Kenya qui a une délégation qui était Port-au-Prince avant mercredi a seulement proposé pour protéger l'infrastructure étatique qui Cléo d'un coup aéroport. Port maritime à route principale d'après sa Miami Herald révélé que Kenya a souhaité jouer une grosse participation pays dans la région à force multinationale ça et puis immunité totale pour troupes liées même si force n'a pas sorti dans l'ONU d'après sa vision de Mila prendre bien puis infrastructure critique nous sommes cité là yo dans mes gangs avant nous protéger infrastructure critique ça yo faut nous reprendre yo d'après une source diplomatique qui baille Miami Herald et bien diverses sources et déclarations Ariba Miami Herald pendant discussion à Port-au-Prince Kenya yo pata et engagé yo pour bay suite avec offre pour examiner demande pressé yon force intervention Jean secrétaire général ONU Antonio Guterres a supporté ça mais toutefois l'état accepté ça Kenya yo di li yo aptan et Kenya yo di déploiement force ça pral dépend de plusieurs facteurs parmi yo di yo comprendre faut gagner résolution Conseil sécurité ONU. Alors qu'il t'a réagi sous visite délégation kenyane dans le pays d'Haïti semaine ça ancien ministre justice et sécurité publique Camille Junior Edouard réaffirmé une intervention étrangère pas pral capable résoudre crise et insécurité qui dans pays mais solution à problème ça d'après lui-même c'est nommé haïtien seulement l'a sorti à force sécurité nationale New York d'après ça le dit et qui capable résoudre crise là en côté Camille Junior Edouard dans micro Michel Xavier. C'est Haïtien qui pour prendre disposition pour sécuriser Haïti. Travail ça, étranger, pas qu'à jamais une pelle pour nous. Et même les tags de volonté, tags de moyens, en termes d'efficacité, c'est toujours nous-mêmes qui pour prendre courage nous à demain pour nous capables de rétablir la sécurité dans le pays. Donc ça, c'est la première considération pour nous comprendre. Toute force qui t'a qu'à venir, quelle que soit nature, il faut venir nos cadres. Il faut gagner condition, il faut reconnaître qui sa configuration terrain et qui sa degré de risque. Qui demandait que gagner opération à la fois de pénétration, d'intervention, de récupération et de contingent, ça, l'IPAP jamais qu'a fait à la fois sans dommages collatéraux et sans que pas des victimes des deux côtés. Et pour limiter ça, c'est ça qui fait que probablement que yo capable di yo même mais qui ça au près pour c'est Kenya qui t'a proposé tête li pour te prendre tête une force multinationale qui pourrait aider résoudre problème sécurité dans le pays d'Haïti yo dit yo disposé 1000 policiers il y a d'autres pays dans la région qui proposé pour bailler des policiers tout maintenant qui ça d'après vous qui expliquer prudence ça de la part des autorités kenyanes bon bien entendu comme on dit que c'est Kenya qui propose tête moi même pas le constat. Parce que je crois que depuis quelques mois, il y a plusieurs pays, notamment le Canada, les États-Unis, qui ont fait en sorte de lago et puis ils ont cherché qui l'autre pays qui était capable. Donc peut-être que Kenya va proposer des pays, c'est suite à des demandes incessantes qui sont faites auprès de lui et que lui-même, il répond favorable. Bien entendu, il faut comprendre que quel que soit le pays, qui voulait pas un coup de main, qui voulait aider, il y a une opinion publique là, et puis c'est moun la boue, gagné, et moun sa ou gen famille, faut limiter risque surtout. Donc c'est ça qui fait que dans le cas d'intervention qu'a fait, il y a toujours gardé pour voir qui sa situation et qui sa yo même yo ka ouf. Maintenant, en fonction de sa yo ka ouf, ya, c'est le pays qui a besoin, qui garde que sa yo ka ouf, ya, comment yo ka utiliser, et à ce moment-là, renforcer les capacités unités spécialisées pour faire d'autres opérations. Au tap côté déclaration Camille Junior Edouard qui signe ancien ministre justice et sécurité publique gain combite organisation politique syndicale populaire qui dit les campés de d'opposition comme quoi il y a un déploiement une force intervention internationale dans le pays pour aider résoudre problème de sécurité il y a une responsable combite la Guinuma redit encore aucune force étrangère pas venir rétablir la paix et sécurité dans le pays d'Haïti c'est pour population qui prend qui doit prendre destin en main dans l'idée pour lancer un gros mouvement de levée contre acteurs politiques qui est BPI en otage en côté Guinuma dans le micro Rogentus Jean-Michel. Nous avons la compétence, nous avons toujours toute intervention étrangère dans quelques pays, y compris en Haïti. D'ailleurs, nous avons une dizaine de forces
intervention passée dans le pays de 1993 et à jeudi, hein, une dizaine de missions nationales qui sont passées, et nous avons constaté les situations du pays une plus grave. Et côté de pays à venir jeudi, nous n'avons pas circulé, le pays a gangsterisé. D'ailleurs, le ministre qui fait 13 ans dans le pays, qui a dépensé environ 9,6 milliards. Dollars pendant 13 ans, on l'a agent qui était capable de payer à son pile la gaille, de payer à mettre pays à loin, qui était capable de développer, mettre l'école, l'université, construire une route, etc. dans le pays, qui était capable d'encadrer les paysans pour produire manger. Et mais l'agent ça a passé dans le ministère, et le ministère ça a le côté, c'est armé la jeunes dans le quartier populaire. On a une pile d'informations qui ont circulé dans le pays, à côté soldats ministres, qui ont fait des armes ou drogue, des soldats ministres qui ont fait tas de jacques. Quotidien, ça s'est passé pour salut. Mais je dis, on ne peut pas croire que son mission est Nations Unies, que les États-Unis mettent Kenya devant la question de ça, parce que la mission Nations Unies, on a souvent utilisé de leur pays, et en plus, il faut utiliser le pays en Afrique. Délégation kenyane qui était en train de dire très clairement, c'est la stratégie de la République qui a protégé le pays. Il va venir là pour venir mettre sécurité, contrairement à ça, en plus, on est coincé. Eh bien, nous-mêmes, nous avons dit à nos pensées que la situation de la journée, je dis bien, nous demandons une solution politique. Tout autant, nous parlons de problèmes politiques, pour les gouvernements qui sont dans le pays. Il faut nous clair que le gouvernement, corps groupe là, parmi les pays, c'est une gouvernance qu'il y a. Donc, nous ne sommes pas capables de combattre gang. Nous n'avons pas besoin de force olivienne de combattre gang dans le pays. Ariel n'a pas fait de tout. Ce n'est pas Ariel qui a fait de maintenant. Ariel n'est pas capable de signer une branche que le chita subit. Non seulement nous sommes toujours contre l'intervention qui est dans l'affaire des pays, mais même dans tout, il est clair que Michel, ça, même s'il a venu, beaucoup à côté de Balvin, parce qu'il faut le faire avis du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc des questions de la ghetto et la Chine, la Russie, etc. Donc nous reconnaissons le problème d'après eux. La moitié de ça, Michel, tout le monde est dixième, les gens. Le secrétaire général l'a fait en dehors des Nations Unies. Donc, maintenant, nous sommes clairs que ça ne peut pas venir résoudre rien. Le seul jour pour nous résoudre, donc d'abord, nous déchouquer pour voir politique ça qu'il y a avec Gagnon. Pendant que réagi sur le dernier notre ministère justice et la sécurité publique là, concernant l'augmentation action groupe examen contre population, eh bien déclaration ministre là, pas adaptée avec situation catastrophique car le pays a fait face d'après M. Camille Junior Edouard, ancien ministre public là, mandé pour une disposition exceptionnelle qui prend cap impliqué tout, il y aurait évaluation force publique, sécurité et puis mettez campé puis bonne stratégie dans l'idée pour porter bon genre réponse avec crise. De sécurité à Camille Junior doit être avec Michel Xavier. Depuis quelques années, l'État ne sait pas fonctionner de manière régulière. Ça veut dire que le problème que nous avons là, la réponse que le ministère bail ou bien l'autorité a exprimé, n'est pas correspond à la réalité que nous avons là. Kounia. Et je pense que c'est vrai que quand on a de temps, quand on a des problèmes, ils mobilisent des SPN, ils prennent des décisions. Mais là, nous ne sommes pas en phase d'arbre. Nous sommes en phase côté que l'État a perdu autorité et qu'il a ceinturé Port-au-Prince et que il y a des gangs qui deviennent de plus en plus puissants. Nous ne connaissons pas qui genre recrutement au fait. Donc, je pense que la réponse qui a bail là, les 13 ans de ça, de réalité qui est là. Ça qui est là, l'État mérité. Ils ont une disposition exceptionnelle. Déjà pour faire une réingénierie de la force publique de sécurité. Ça veut dire la police, l'armée contre un effectif, contre un moyen, qui organe que l'on doit créer, s'il le faut, pour permettre que l'on capable de réponse dans la dimension plus qu'il y a là. Donc, sortir notre prédisposition, faire réunion, bien changer de trois mounes dans la direction départementale, c'est pas ça qui va résoudre la gravité exceptionnelle de sécurité que nous avons là. Et puis, deuxièmement, tout, quatre légal là pas approprié. La police, non situation normale, il gagne des limitations dans l'opération qu'elle lui fait parce qu'elle doit respecter une série de dispositions au nom des droits humains. Mais non situation côté que l'État a effondré dans la partie névralgique.
c'est le contrôle du territoire, lui demander de gagner des dispositions exceptionnelles en matière de loi, de réglementation, pour permettre que la police mène des opérations victorieuses et soit durée relativement longue. Pas ouais, c'est ça qu'on prend là comme disposition. C'est ça que fait me penser que ça qu'on fait là, il n'y a pas adapté à gravité exceptionnelle que nous avons là. Oui, maintenant, même notre satou, MJSP mandé population pour collaborer avec la police, parce que c'est eux-mêmes qui comptent configuration zone, yo, et de la police mener opération. Yo. Alors que nous connaissons la majorité de population, ça y a demandé pour collaborer, a, obligé pour quitter la Kaili, et je dis à un abri provisoire. Bon, non seulement ça, le problème du gain, c'est que bandit, c'est une dans population vie, c'est la population hein, qui connaît, on bandit, c'est on frère. Au tap côté déclaration, ancien ministre de justice, Camille Junior Edouard Guin, président Ligue haïtienne, droit Mouna Barthélémy, décide Jean-Noël, qui qualifié d'irresponsable à notre ministère de justice, qui met les populations pour faire résistance devant gang Axamio, d'après les ministres et les prophètes à Milce, parfois le baguette qui montrait et incapacité li à travers notre ça pour bien remplir fonction li, les dénoncer en politique qui soutient bon côté gouvernement en place là, l'ordre dans mais ont parti dans la communauté internationale là parmi yo États-Unis qui a imposé loi en d'un pays à en côté Barthélémy Desius Jean-Noël. C'est pour la deuxième fois que la ministre, une petite ministre, fait de telles déclarations à travers la presse, déclarations irresponsables, entachées d'irrégularités juridiques et même politiques. Sous un angle juridique, nous considérons ces déclarations de la ministre comme étant irresponsables, traduisant la nullité, l'incapacité de la ministre de remplir son rôle, son job. Elle n'est pas à niveau, ça c'est clair. Dire que pour population fait résistance face aux gangs, alors que vous-même comme ministre, vous avez un devoir légal pour garantir sécurité vie dans le pays, ou pas capable. C'est-à-dire que vous faillissez à mission, donc vous commettez une violation par omission, qui c'est le refus de porter assistance à la population en danger. Le refus de protéger cette population, c'est aussi un acte criminel. Dans tout le pays du monde, sauf Haïti, cette dame patapka joue rôle de justice et les patapka là encore. Après ces déclarations délibérées inacceptables, sous un angle politique, pas oublier que l'actuel Premier ministre de facto a été nommé à travers un tweet par le Kogroup. Or, critiquer le Kogroup fait allusion au gouvernement américain, canadien et français surtout. Donc, il baille à l'arrêt une mission. Une mission qui nous révèle clairement comment ça y est. C'est pas une mission pour aider le pays. Mais c'est une mission qui vient à Rouen avec garantir l'intérêt des USA, spécifiquement par tous les moyens. C'est normal que cette ministre, qui n'est pas à sa place, après obéir aux ordres du gouvernement, a fait un travail qui entrait en droite ligne avec accomplissement mission ça qui est au Bayoua. C'est normal pour qu'il y ait quitté Gangyo, va le terrain, occuper des territoires dans le pays, massacrer population, hein, qui s'est quitté des bois ballants, pour que yo justifie une intervention militaire, comme c'est déjà sur le tapis, déjà en cours. Donc, la ministre, qui, à l'heure d'une traître, a fait travail gouvernement là, travail co-groupe, travail États-Unis, gouvernement démocrate là, et travail Canada. Donc, nous autres, comme monde, si on est haïtien, il faut comprendre ce qui a passé là. Et c'est à nous de jouer notre rôle de vigilance citoyenne pour nous faire obstacle à ces traîtres, ces missionnaires politiques qui mettaient Vinon en danger et mettaient le pays à genoux. Pendant après réagi tôt sous notre ministère justice là, il y a divers avocats qui demandaient autorité la justice pour prendre plutôt bon genre disposition dans l'idée pour prendre contrôle pays à sitôt 4 gangs à contrôler yo mais pour citoyens ça yo capable pour population capable à régler les affaires sans qu'elle saute mais ça qui passe dans pays à qu'on a là les graves en pile d'après ancien député Thomas Zoua après Cyprien qui soulignait les mêmes tout il y a en pile misère chômage qui dans pays à qui la cause ça vient là en côté
après l'autre, Maître François, Émilien, Renaud, Georges, Akpray, Cyprien, Amico, Marie-Guilette, Slim, Massius. Il y a un communiqué que le ministère a publié sur ça. Et côté l'imande moun yo pour résister, pour rester dans le quartier. Yo. Donc, le ministère, l'anta dit tout qui disposition qu'il a pris pour protéger moun yo. Parce que un monde qui a un petit monde ensemble avec lui, qui a vivre en famille et qui a subi des assauts de manière continue. Donc, comment on est capable de demander lui pour rester dans la zone t'as échappé. Donc, peut-être l'imande moun yo pour organiser une vengeance privée. Peut-être c'est ça le ministère l'a demandé. Bon, pas pral aller trop sur ça, mais sauf que ça nous a vraiment souhaité que l'État reprenne contrôle pays, hein, que l'État assume Wally en tant que puissance publique, en tant qu'organe qui t'a supposé gagner le monopole de la violence légitime et pour le capable reprendre contrôle pays, hein, permettre que professionnels soient capables de fonctionner, les avocats, les ingénieurs, les médecins soient capables vraiment, les commerçants, les petits marchands, les journalistes, tout le monde qui est vraiment pour être capable de circuler dans le pays en toute quiétude sans y pas vraiment gagner une inquiétude qui ça qui arrive sur la vie aux parents sont capables de mettre les gens à l'école. C'est vraiment ça nous avons demandé et l'État pour les prendre responsabilité de préférence pour les permettre que force de l'ordre soit capable vraiment de reprendre le contrôle du pays. Si vous voulez dire population défendre tête, est-ce que vous avez population déjà? Il y a une grosse âme dans la population va gagner une main. C'est qu'on boit calé, bon. Ariel te dit non, et qu'il a nous pour un monde, elle peut être dans le commissariat. Alors que, bon Dieu, eux-mêmes, il n'y a pas aucun monde qui a mis dans le commissariat, c'est pas qu'il a vidé ce monde. Donc, moi, je ne comprends pas. Moi, je t'ai parlé à Ariel, tout au début, ça a passé 2 ans, bon, du coup, mon expérience, c'est que je me suis branché, je me suis dit que je mets le bouton, je mets ma ligne. Mais pour y aller là, il n'y a pas fait le travail là. Ou bien pas venir faire, mais je suis d'accord, vous voyez ça, mais tout le peuple là, mes peuples là, depuis là, mes peuples là, et puis peuple là pour responsabilité, la médaille là, tout. C'est la médaille qui a fait, il a touché chaque mois. Et il y a une volonté pour le travail, pour nettoyer le pays. D'accord? Donc nous-mêmes, nous pouvons payer de bandits. Nous, donc nous ne pouvons pas accepter pour mon à tuer mon gens comme ça. Moi-même, déclaration ça. Je fais, moi-même. Je ne vais pas reconnaître mon adan, à moins que je commence à faire place pour le défendre. Eh bien, si il y a toute insécurité, ça va dans le pays, qui est un touriste pour l'entrée, on va essayer à tout haïtien de faire partie quitter le pays, avec bonne raison pour ça. Je pense que je ne vais pas et ça qui a passé dans le pays, il est grave, il est très grave, et bon travail qui vous fait, travail là, c'est la police, la justice, population, et même les gens qui ont créé des problèmes, ils sont capables d'arriver et jouer une solution. Ce n'est pas insécurité, négazam seulement qui a frappé ici. Bon, misère de yon, pas petit, non? Misère de tout, ce sont insécurité séculaire, ce sont insécurité que l'État quitte établi dans le pays. Écoutez Radiovision 2000 sur www.radiotelevision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé. Merci à toutes les amis auditeurs, toutes fanatiques qui étaient protégés Bayo pour être capable de faire grand voyage ça ensemble avec nous. Et pour être capable d'informer sur toutes nouvelles qui fait actualité, nous comptons pour nous faire voir ça ensemble avec vous. Mais bien avant, nous mettons un thème et définitif à édition nouvelle ça. Nous pouvons voyager garder pour nous qui sa journal le nouveliste publié pour jeudi vendredi 25 d'août 2023. Donald Trump dénonce à Atlanta un simulacre de justice et une ingérence électorale. 75% des Haïtiens croient à la collaboration de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti pour rétablir la sécurité, selon un sondage de la GRK. Donald Trump placé brièvement en état d'arrestation à Atlanta pour ses pressions électorales en 2020. Le GAR plaide pour une meilleure prise en charge des déplacés de Kafoufeye. Donald Trump arrive à une prison d'Atlanta pour se rendre aux autorités. Tir et panique encore enregistrés ce jeudi à Kafoufeye.
Un mois plus tard, le docteur Samson Marseille est toujours entre les mains de ses ravisseurs. CEMAC, marche étudiantine contre l'insécurité. Paul Ménage en lui, nouveau directeur départemental de la police nationale dans la Tibonite. Attaque contre les locaux du RNDDH. Terrier rouge des organisations paysannes célèbre la date du 22 août. Une réorganisation administrative de la police nationale d'Haïti est essentielle pour combattre l'insécurité, selon l'ex-premier ministre Lapin. La force internationale ne remplacera pas la police nationale d'Haïti. Elle viendra l'aider à devenir plus performant. Demande de passeport, petite affluence, mais les problèmes persistent. Le Kenya mise en gros, Haïti doit tirer son épingle du jeu sur le Ricardo Germain. Entrée des classes, le gouvernement ne doit pas oublier l'essentiel. Haïti n'est plus sous la menace de la tempête tropicale Franklin. Les gangs ont plus grand effectif que la police nationale d'Haïti, selon la CNDDR. Ça, c'est quelques et parmi titres que le journal Le Nouveliste a publié pour jeudi. Nous comptons pour nous être capables ensemble avec vous, pour nous informer sur toutes nouvelles. Et bien, qui domine l'actualité à nos côtés pour nous être capables de faire voir ça ensemble. La première, c'est toutes les amis Tribo et Babo qui étaient ensemble avec nous. Merci de ce que vous êtes connecté avec nous. Merci de ce que vous avez choisi nous. Merci de ce que pour confiance ça que vous mettez dans nous-mêmes pour capable informer. Passez une très bonne journée vendredi. Pas oublier ce week-end. Nous supposons prendre toutes mesures de précaution ou même qui pourra enjoy ou qui pourra le défouler après qu'on finisse passer une semaine de travail. L'important pour défouler quoi? Mais faut mettre en application toutes mesures de précaution pour protéger tête tout pendant qu'on va protéger tout ça qui entoure. Sous pas le bois, pas conduit. Sous pas le conduit, pas bois. Passez un bon vendredi. N'abtonnez pour continuer. Informez-vous.